voilà, ça c'est un roquette ballon. On a posé un ballon d'eau chaude à gaz qu'on a posé sur une chambre de combustion de roquette stove, ce qui nous permet de chauffer de l'eau avec la combustion du roquette en utilisant des petites planchettes et que ça utilise assez peu de bois. On pourrait l'améliorer en ajoutant un bidon par-dessus, en enlevant l'isolation pour que les fumées réchauffent le ballon aussi par l'extérieur. Alors ça c'est un poêle de masse, c'est inspiré du rocket stove. On rentre le bois de l'autre côté là-bas, les fumées circulent à travers ce bidon qui chauffe la pièce par rayonnement. Les fumées circulent à travers le banc, elles font un tour comme ça dans des tuyaux qui sont sous la terre et ressortent dehors. Elles sont froides et elles ont très peu de polluants puisque la combustion dans le poêle de masse est à très très haute température. Je fais cuire la soupe. Je laisse bouillir 5 minutes à feu doux. Ça, c'est notre marmite norvégienne. C'est une boîte isolée avec la plaque réfléchissante. Et maintenant, je vais mettre la soupe. Et si c'est les nouilles, je peux laisser 10-15 minutes. Si c'est une soupe, je peux laisser 2-3 heures. Si c'est des légumes secs, je peux laisser une nuit dedans.